c'est la nouvelle talisman? Ah oui, mon cher monsieur, c'est bien elle. Moi, je l'avais vue en photo sur le site de l'Argus, mais elle est encore plus belle en vrai. Surtout dans cette version break estate. Et le coffre a l'air, immense, vous avez réussi à ranger toutes ces cagettes? Ah, c'est bien pour ça que je l'ai acheté, pour son grand coffre. En tout cas, il est bien plus grand que celui de mon ancienne Laguna que j'ai bazardé sur l'internet. Et est-ce qu'elle a le coffre motorisé? Le vendeur m'a parlé d'un bouton. Mais oui, elle l'a. Et elle a aussi les quatre roues qui tournent. Vous voulez dire qu'elle a le châssis fort contrôle? Un truc dans le genre. C'est génial. Et est-ce que je pourrais... Monsieur, monsieur, faites comme chez vous. Installez-vous. Merci. C'est vrai qu'on est quand même bien à l'intérieur. Puis c'est plus moderne que dans ma 508. Et est-ce qu'elle a l'affichage tête haute? Ben oui, regardez. Puis ici, ça sort tout seul. Mais oui, elle l'a. Et sinon, dans les bouchons, ça va? C'est pas trop fatigant? Ben non, elle a la boîte automatique. Pas besoin d'utiliser la pédale. Et 7 vitesses. Il y a aussi la boîte à double embrayage. Voilà. C'est génial. Puis l'écran est énorme, c'est impressionnant. Et sinon, le GPS, il marche bien. On peut télécharger des applications. Oh là là, t'emballes pas, la technologie et moi, ça fait deux. Moi, c'est plutôt la carte Michelin et mon cellulaire. Et à l'arrière, il y a de la place? Tous les mercredis, je vais chercher les gosses et ils sont ravis. Et c'est vrai qu'on est bien installé à l'arrière. En plus, il y a vraiment de l'espace. Et en plus, là, il y a deux prises pour brancher les jouets des gosses. Ah oui, il y a même des ports USB derrière, mais c'est génial ça. Bon, par contre, il y a l'allume-cigale, mais ils ont oublié de mettre le truc. Elle me plaît bien cette talisman. Franchement, je suis séduit. Vous voulez pas l'échanger contre ma 508? Pardon, non, je suis client en Renault depuis 35 ans. A bientôt sur Argus.fr. De Panasonic. Un plan sans accroc.